Yo les gamers, c'est Kenzo et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3, donc un épisode comme d'habitude pour couper la série, les Moab de la 77Z bien entendu. Là je sais pas s'il va y avoir un gros bruit parce que je viens de taper dans le micro, mais enfin bon on va faire doucement. Alors c'est une... Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'érosion en ce moment, faudrait que je trouve un autre gameplay. Mais celui-là était vraiment sympathique, c'était un gameplay que j'ai fait au snipe sur érosion. On était en recherche et destruction, j'étais au MSR, en compagnie de Whis Coco, X-Whis Coco. C'est une partie que je vais pas mal apprécier parce que... en face, si je me souviens bien, parce que c'est vrai que je l'ai pas regardé depuis, mais il me semble qu'il y en avait qui jouaient à l'arme. Et moi, bah voilà, j'étais au snipe au MSR. Et je vais cartonner, bien sûr, après... Ah non, je crois qu'il y a même réalise avec moi. Je crois. Si je dis pas de conneries, il y a même réalise. Voilà, vous voyez dans la feed qu'il y a eu de la type 95. Et donc, voilà. Donc, première manche, full team. Au snipe. Donc, c'est une partie qui date pas du tout. Hein. C'est vraiment une partie super récente. Que j'ai fait il y a pas très longtemps. Et c'est une partie qui s'était bien passée. Qui m'avait marqué parce que j'ai jamais fait C'est pas un truc impressionnant non plus, mais je fais du 9-0, de toute façon ça spoil pas, de toute façon voilà le gameplay est là. Ce sera sûrement marqué dans le cheat de toute façon. Et donc voilà, je fais du 9-0 au MSR, c'est sympathique, c'est super. J'ai bien kiffé. Et donc voilà. Aujourd'hui, alors où je commente, bien sûr, on est la veille, donc voilà, on est jeudi 13, donc la vidéo sera disponible vendredi 14 au matin. Comme d'habitude, mais au matin, très matin, genre vers 4h, 5h du matin. Enfin, en vrai, c'est vrai que c'est un gameplay assez rapide à faire. Plus que le gameplay dure que 3 minutes. Donc, plus l'intro, ça va durer à peu près 4 minutes, un truc dans le genre. Et ça va être assez rapide. Donc, voilà, killcam, no scope, rien d'impressionnant. Et attention, je tiens à vous rassurer, j'ai pas visé solide. Vous voyez que visé solide, de toute façon, il est dans la barre des atouts. Voilà, les atouts spécialistes. Et il me semble que je joue avec tireur d'élite, hein, comme j'ai l'habitude de jouer, vu qu'il y a Aground dans les 2v2, donc forcément, faut que je joue avec un truc qui me permet de capter un peu les ennemis. Enfin bon, voilà. Je saute, pleine tête. Ah putain, ouais, j'ai fait une bonne partie finalement. J'imaginais pas ça comme ça, mais bon. Voilà, hitmarker qui fout le seum, et là, gros coup de stress, 2-3. Voilà, c'est bon, je l'ai eu, enfin. Voilà, 3 manches de gagné, la partie va pas tarder à se terminer. La killcam finale n'est pas de moi, mais de Réalise. Où vous allez voir à quelle arme de merde, de noob il joue, cet enfoiré de merde, de sous-merde, de noob. Mais je lui passe le bonjour quand même, hein, parce que je l'aime bien. Voilà. Donc la partie, de toute façon, elle va pas tarder à s'achever, de toute façon. Et puis, je vais vous laisser avant la fin du gameplay pour vous laisser la killcam finale sans que je papote. Ouais, sans que je fasse trop de bruit non plus. Sur cette vidéo très courte, je vous laisse à votre guise me mettre un pouce vert ou un pouce rouge selon vos goûts à la vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo et aussi de commenter, ça me ferait super plaisir et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, ciao, c'était Kenzo, peace les gens.